après danse, tamboulou. Si nèg yo konnen, c'est comme ça. Cadavre Jovenel Moïse, zosman président Jovenel Moïse, t'a prêté en travers dans gaganyo. Franchement, yo t'a pensé yon l'autre façon. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou gayé responsable Sitiou. Deux semaines avant assassinat président, li te débarqué dans le pays d'Haïti. Et monsieur qui te débarqué dans le pays, ce n'est pas pour tirer son piti. Li passe dans l'ambassade américaine, et faut qu'on ait, monsieur Sayo, yo te recevoir un plan bien déterminé pour venir développer le pays d'Haïti. Mais plan développement ça, grand moun qui pou pas là-dedans, li rele Jovenel Moïse. Bon, sûrement, ce plan de développement, n'a pas vivre là. C'est ça qui a passé dans le pays d'Haïti actuellement. Parce que moun qui te campé en quoi, compte plan ça, moun yo pas de vle, ouais, c'était seulement Jovenel Moïse. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous toutes connaissons, M. Newton Saint-Just, pas jamais suspendre fouiller zone en Kalalou dans le dossier assassinat président. Dernièrement, c'est lui-même qui vient, qui fait nous connaître, à travers yon avocat ligué, yon lié ensemble en République Dominicaine, nous pral connaître 20 millions de dollars qui sortit dans le pays d'Haïti, qui passait dans la banque en République Dominicaine, l'agent ça, c'est pour touiller président. Bon, qu'on y a là, question qu'a posé. Qui intérêt, responsable City ou gagné, pour que, li monte yon plan aller chercher Colombien pour vin douye président. Pour qui est-ce la travail? Qui est-ce qui finance il? Rale chez ou, met Newton Saint-Just, pral mette kouze la te. Bonjour, bonsoir tout le monde qui janouye. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter. Activez cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami Pao, Foucault. Nèg yo tap fete, nèg yo tap boue, yo tap bien passé. Et puis vous, frères et sœurs bien-aimés, bal la fini. Koun ya la, faut ramasser tout instrument yo, pour quitter espace là, faut clean ni. Mais, ça passe là, frères et sœurs bien-aimés, bon j'en nèg yo aïk, pièce moun pa senti kouray yo. Yo pa wè comment yo pral pote aucun matériel. Et c'est là, en pile moun pral konnen ki sa k te gen nan zone sa, ki sa k te passe nan jou swa sa. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, après politiciens, oligarques dans Pétionville, mettez ensemble avec mafia dans international là, passez pour un Colombien, tombé en République Dominicaine, fin chita yo monte yon plan. Yo touye 58e président pays d'Haïti. Mais, si nèg moun, pas mandé pour monter sous li comme ça. Oh oui, ge grand moun nan kay la, ou ka toujours touye. Mais, pas pense wap ka vive à l'aise après ça. Malgré président fin assassiné, plus passe 19 mois en batte, eh bien, frères et sœurs, on dirait c'est Jossman Jovenel Moïse qui campe en face, messieurs, actuellement là, kap tout monte la vie. Met Newton Saint-Just frappé fort. Nous pral tande ensemble yon interview ensemble avec madame Marie-Lucie Bonhomme. Frères et sœurs, tande avec un pile attention et c'est extrêmement important. Ou même qui dit ou intéressé et ou supposé intéressé puisque ou c'est haïtien. Dans dossier assassinat, faut qu'on ait dans bon timamite qui ça qui était passé. On allait ensemble. Ça dit question nous pral mettre accent sur lui. On a parlé de insécurité à tout. Et, mais, il y a des noms là. Et, propriétaire Citio Security, Antonio Intriago, et Arcangel Pretel Ortiz, c'est opérateur Citio Federal Academy, Walter Ventimiglia, et non ça yo, et ou Citio, régulièrement et dans le cas de mission à faire, particulièrement ici à et Vision 2000, me rappeler dans la dernière émission nous faire où tu as dit que, mais comment expliquer que les États-Unis travaillent sous dossier ça et puis silence fait
sous moun sa yo. Et le ou après nouvelle là hier et que ça veut dire pour est-ce que ou dit ça c'est un bon gens avancé et dans cadre enquête et sous assassinat président Jovenel Moïse en tout cas dans ça qu'a fait aux États-Unis. D'abord pour nous dire que nous prenons note de ça et ceci sans euphorie aucune. Et nous reconnaissons tout que arrestation ça ou bien passe à franchir hein, li t'a dit porter yon ti bémol li fait la petit ti bémol non et position nous yon élément position nous à savoir nous dit que la communauté internationale en général et les États-Unis l'administration Biden en particulier le doit clarifier position yo sur assassinat effectivement et ancien président Jovenel Moïse parce que nous connaissons que Akanjel Pretel Ortiz c'est lui-même qui était chargé pour aller recruter criminel colombien yo et lui qui travaille lui dans l'armée colombienne comme haut gradé qui était responsable formation dans l'armée ça qui donc à travail en même temps pour dire FBI était un agent service d'intelligence et États-Unis. Là, nous prenons Antonio Triago, qui est propriétaire CTO, qui est Counter Terrorist Unit, qui lui-même était en Haïti environ deux semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Là. Et il était même allé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Et puis Walter Bentimia lui-même, qui est responsable Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui a financé l'opération Sahayo, le groupement Sahayo, sous prétexte que le Jovenel Moïse passe au pouvoir encore, l'abjoint au contrat, il pourra permettre d'exécuter des projets dans le pays pour développer le pays. Maintenant. Allez. Le Jovenel Moïse, par là, il a venu avec une série de plans. pour yon développer pays. A la traka pour la vikaïte, papa. Mais kote plan sa yon 19 mois après assassinat. Plan, est-ce que c'est gangsterise pays, puisque jounen jodi a peu pa ici, m'kapab di Port-au-Prince en sekle net. Tout koto passe se gang. La vie chè. Moun ap mouri. Bagay yon vin pi difficile. M'kapab di 4 fois pi difficile toujours. Est-ce que c'est plan développement ça? Pays a vin pi sal. La traka pou la avec Haïti ou papa. Les gars pas pris dans même en avance. Ne pas oublier tout que le criminel y a utilisé dans la pour cas Jovenel Moïse, il te dit que c'est une opération d'hier. Donc administration américaine non doué la refigure dans bagage ça, lui doué clarifier position, ça c'est un cas. Mais cependant nous gagnons encore des réserves parce que depuis le 28 avril 2021, lorsque la justice, ou encore le gouvernement américain, a choisi, ou a demandé au tribunal-là pour appliquer une loi appelée le CIPA, qui c'est Classified Information Procedure Act, qui dit que nous avons somme d'informations, somme documents que nous ne pouvons jamais rendre public, même à la défense, parce que nous concernés la sécurité intérieure des États-Unis. Donc, évolution, ça, c'est un premier pas pour que l'administration américaine clarifie position. Parce qu'il ne faut pas oublier que Akanjel Pretel, qui est toujours à travail pour le service secret américain pendant l'assassinat. Donc, on ne peut pas dire que c'est vous qui êtes vous. Pas dire que c'est vous. Mais c'est un bagage qui est important pour l'administration américaine, non? Et la réfigure. Maintenant, sans attendre, sans nous véritablement besoin, c'est la vérité. Sans attendre par là, c'est que nous devons connaître, ou bien enquête ça, que en Haïti, que aux États-Unis, ils devons déboucher sous identité, sous arrestation, sous jugement des auteurs intellectuels de cet assassinat, nous l'avons dit, qui était financé en Haïti et aux États-Unis. Et
n'a profité de l'espace là, Madame Bodog, pour nous rappeler à la justice américaine, certainement nous qu'on l'a fait, parce que Nata Arcangel Pretel, Ortiz, Antonio Tiago et Walter Pellignac, nous avons même écrit ministère de justice aux États-Unis pour nous attirer l'attention sous gravité criminelle possible ou ouais, participation de citoyens américains et surtout des mondes qui travaillent pour eux. Et puis, on a un autre citoyen américain qui est d'origine haïtienne, qui est le Bob Balthazar, une grosse explication pour le bail et dans le crime ça. Monsieur travaille pour le département d'État pendant plus que 20 ans. Il était par exemple du mandat du président Bill Clinton. Il était entré en Haïti sous règne général la torture, alors qu'on ne peut pas limiter au chef. Donc, ils sont des gens qui connaissent. Et plus ou moins, ouais, dit très bien, paysage politique et haïtien. Non, eh bien, après assassinat, certainement, criminel était arrivé à assassiner Jovenel Moïse, mais le bagarre la marée pour eux, Vincent, que je me connais très bien d'ailleurs, il était relé, et Bob Balthazar, qui est aux États-Unis, pour aider eux, sortir dans sa rue, parce que Vincent, et toujours dit que Bob Balthazar, c'est patron. Donc, et c'est un citoyen, en plus, c'est déjà une bataille que nous allons mener pour que vous tendez Bob Balthazar pour dire qu'il rapporte le gagnant avec le petit rôle que vous jouez, parce que, faut pas oublier, ce crime a été planifié en janvier 2021 aux États-Unis, et il est capable de remonter jusqu'en 2019, lorsque magistrat Noël Sirius. Par contre, sinon, ça dit mon bagage, tu émets un mandat d'arrêt, un mandat d'amener contre Jovenel Moïse, et alors que Jovenel Moïse est un domicile, c'est un domicile connu, et ces mandats, ça, que j'ai utilisé le 7 février 2021, ça, l'Américain était capable de un trust, oui, ça. Allez, ça est extrêmement important, peu pas ici, pour comprendre. Jovenel Moïse, je suis capable de dire, moi dans la vie, je n'ai pas fait. Lorsque vous avez une série de monde qui a appelé des menaces, dit qu'il y a tout, il n'y a pas gauche, il n'y a pas droite, la chambre ça à la légère, j'aime toujours dire le pas bon récite, c'est que parole est puissance. Dossier mandat ça parlé depuis 2019 et le fait depuis 2019. Pour négocier justifier mandat, pour y montrer poids mandat, même j'aime t'as expliqué nous dernièrement comment machine nan travail. Gon côté au passé commande là, les politiciens yo, et puis au même qui c'est professionnel carou, ils ont pral commencé et baili dans la presse, comment ils ont pral baili, yo qu'on a chaque temps pour y la gon mousso. Et puis moun qui pral produit, c'est organisation de l'amour. Non seulement peuple haïtien, yo produit rapport. Et yo pose des actions tout, des faits réels. Imagine, et on prend par exemple, dossier massacre la Saline. Pour ne yo justifier mandat, yo font massacre sur moun la Saline. Yo fourre nos présidents là-dedans. Et puis yo pral font mandat. Et puis, 7 février 2021, déclaration John Joel Joseph. Il dit adieu Jovenel Moïse. Gon juge qui pral pour sous l'ordre département d'État. Ça veut dire, peuple haïtien, bagay yo préparé 1, 2, 3. Donc, jounen jodi a, administration Biden. Ou bien, j'en de capable de dire, gouvernement américain, supposé dégager le coup de Jean-Jacques pour le retirer pile dans ça. Faut nous jouer une explication qui s'est passé 7 juillet. Pour qui ça n'a été utilisé, DIA, FBI. Ça passe, pour qui ça, on paquet gros autorité, moun qui travaille pour gouvernement américain, moun qui travaille dans FBI, moun qui travaille dans CIA, moun qui travaille dans DIA, non yo cité dans tout le président. Donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est extrêmement important pour nous joindre une explication. On avance maintenant. Il s'agit d'une répétition générale pour qu'il prépare à faire ça. Ça veut dire que tout le monde qui était impliqué dans la question du mandat, ça, parce que moi, mon document, côté que le président CSPJ à l'époque a écrit
devant Tekana tribunal première instance de responsabilité mandé et tout qui connaît véracité et mandat ça et bien ça te répond que effectivement bon dossier de ce massacre et la Sarie mais il est pas capable d'y rien sous véracité mandat ça c'est que c'est un bagage qui a préparé depuis en 2019 et voilà. Tout le monde qui était dans mise en scène dans préparation depuis 2019 il y a déjà parti de l'enquête là sans l'état général. Est-ce que vous dites que t'es bon bagage qui t'a passé véritablement dans Petit Bois et parce que, que c'est même mandat ça que si you l'un prend avocat si you je dis que you te joigne un contrat pour venir un contrat de sécurité pour qu'il y ait sécurité en Haïti et pour venir arrêter ou regarder un mandat pour ça. Et bien, c'est même mandat qu'on a parlé, hein, qui était servi dans le titre, et qui servi dans l'assassinat Jovenel Moïse. Et donc, le monde, ça, il est crié, et quand vous prenez une explication, pour vous, donc, c'est, il y a un assassinat, et vous nous dites mieux, c'est une vérité dans l'esprit de justice américaine, mais justice haïtienne, nous, parce que, faut ne pas oublier que, rapport d'enquête qui, devant, je jouais Sir Voltaire en Haïti, c'est des CSPJ, même des investigateurs colombiens qui devinent faire tout ça, et ils ont dit que ils ont compris que c'était un État, que les gens étaient dans le statut pour faire, et puis à la dernière minute, ils ont transformé en assassinat. Donc c'est même version ça que la justice haïtienne et la justice américaine et ils ont gagné. Dans l'enquête de CPJA, il fait mention, bien entendu, de Noël Sirius, de Mansassa, qui était joué pour rôle dans l'assassinat. Et magistrat, ça, Noël Sirius, ça, quand est-ce passé? Après mandat, c'est ceux qui étaient payés à le Canada, donc, quelque chose qu'on est derrière. Et c'est un homme qui trouve à bas. Il va dire qu'on est excusé ce soir, qu'on est capable de joindre. Et donc, pour une belle explication, sous qui rôle que l'été joué effectivement dans la préparation pour Est-ce que ça dit dans le cas d'enquête là bon on dit enquête a faite en Haïti est-ce que y a même piste ça ça fait par rapport à information que vous gagnez et sous et de ça est-ce que y a exploité bon pas qu'on ait qui méthodologie juge d'instruction en Haïti, magistrat Voltaire, et même ça qui est sûr, dans la conversation que j'ai gagné avec l'autre monde aux États-Unis qui est impliqué dans le dossier, son piste que n'y a pas négligé, et il y a PCI, ouais, et tout le monde qui joue un rôle, et dans le dossier, et c'est à suivre point de presse que le procureur McKenzie est à pas hier. Dans Miami, il dit qu'il y a là, il pral pencher yo sous financement. Et que non, il pral porter l'autre charge contre l'autre monde. Et l'un connaît qu'il y a des mondes qui débaillent l'argent. Il y a des débaillent l'argent pour l'État. De l'argent qui est passé dans des banques en Haïti, qui a joué un site. Moi, songé au mois de juin avant l'assassinat, il y a eu 700 000 dollars américains qui a joué un site. Et ça, pour nous comprendre, à la prenant, c'est que mon site où ça a parlé, c'est alors c'est deux sites où bien ils ont branché à candidat Pretel d'être dirigé et puis qu'il y a l'autre que Antonio Thiago d'être dirigé au fond seul dans le cadre d'opération ça, mais c'est des gens qui étaient en faillite. Par exemple, à candidat Pretel Ortiz, c'est Pretel qui a prêté une adresse dans le monde pour le logistique où à quelques mois avant que nous, c'est-à-dire que son ami qui vont au bureau, tellement monsieur pas capable de payer, et il était des dettes, tout. Il était la justice, et parce qu'il était des pauvres que le pas de payer. Et bien, c'est prêté, je prête une adresse, et aux amis, chaque vendredi, il passe, il prend tout courrier, tout document, vous allez à la carrière, la garde. Donc, tout d'un coup, pour l'argent qui tombait, et puis, l'affaire vient de changer. Et c'est ça qui fait que
n'a dit que après arrestation ça yo y a un paquet de pistes qui doivent explorer, surtout dans le cas de financement, parce que c'est le plus gros élément qui est dans l'enquête de financement. Ne pas oublier que il y a l'agent, tout selon l'information qui a été circulée dans la presse dominicaine le 1er avril 2021, qui a fait connaître que de 20 millions de dollars américains sont passés par le système bancaire dominicain pour assassiner Jovenel Moïse. Ça veut dire qui ça? Par contre, qui dominicain qui a intérêt dans l'assassinat Jovenel Moïse? Qui est-ce dans le secteur privé dominicain qui a intérêt dans l'assassinat? Ça? Mais ça clair, c'est l'agent qui se trouve en Haïti pour aller préparer l'opération criminelle. Ça. Donc, comme je le dis toujours, chaque fois au bon opportunité à l'heure contre moi, les dit encore pour ça, eh bien, toutes les options, toutes les pistes doivent être sur la table pour que nous soyons capables de connaître la vérité. Et on dit enquête là les concentrer je dis sur financement et mais sous armes que mon matériel absolument armes ont été utilisées qui type balle et pour yo capable d'exécuter président Jovenel Moïse. Alors, c'est pas seulement type d'armes mais côté aussi. Côté aussi tu parce que tu as oublié que ZAM pour négocier fait opération criminelle, ça, il a été déjà. Et encore en Haïti pour explorer. Ok. Information, ça circule tout de monde qui impliquait dans le crime ça et il était passé. République dominicaine, ils font stop pour être capable d'entrer. Je dis à. Ça veut dire des monde qui t'a concerné que nous y été dans tous tes rapports qui fait jusqu'à présent et ou dit attention bon pas et qui fait là dans l'enquête là qui fait l'avancée quand même mais et pas d'euphorie mais peace République dominicaine hein, et n'attend tout que bon, que ce soit c'est au niveau des États-Unis ou bien au niveau d'Haïti et Napton, c'est-à-dire pour enquête là, les capables complètes, qui là et y a capable commencer à exploiter ça. Excusez-moi, alors tout ça, par contre, sous son jeu, première déclaration, Léon Charles a été fait après que non, il a dit que la République dominicaine était joué un rôle, on a parlé de territoire dominicain ou encore supposé institutions et des autorités. Mais il n'y a pas jamais dit un lien sous son côté depuis l'heure. Et ça qui paraît nous étonnant, c'est que après le crime, immédiatement après le crime, le gouvernement haïtien fait appel à FBI, investigateur colombien, mais il n'y a pas fait un lien, il n'y a pas fait aucune demande d'assistance de coopération judiciaire, enquête là, avec les policières, et pour aux autorités dominicaines, parce que son crime qui impliquait plusieurs territoires. Nous prenons Colombie, États-Unis, Panama, République dominicaine et Haïti, ça fait 6 territoires. Maintenant, un territoire qui est plus important, qui est capable de des indices vraiment intéressants, c'est le territoire dominicain, c'est le dernier côté criminel qui a été passé depuis le assassinat de Jovenel Moïse. Donc, il est étonnant que ni gouvernement haïtien, ni autorité policière et judiciaire, bien entendu, le couvert du gouvernement n'a pas fait aucun pas dans la direction ça. Ça rend pour qui ça? D'autant plus que Jean Doula et Manuel Patine, qui est une spécialiste en matière de blanchiment en République dominicaine, il a dit très clairement le 1er avril que les autorités dominicaines, le système bancaire dominicain, c'est qu'on est très sur les 20 millions de dollars entrés là pour venir assassiner Jovenel Moïse, et ça n'a pas dit. Autorité haïtienne. Et c'est même bagarre là que, je répète bien entendu, nous étonnés en pile que jusqu'à présent, nous pas porter une partie civile dans le dossier ça aux États-Unis, mais parler de l'État haïtien. Parce que il ne s'agit pas seulement de l'assassinat de Jovenel Moïse, le président, mais c'est une attaque contre souveraineté, nous, comme peuple, comme dit, comme peuple. C'est une attaque contre dignité, nous, comme nation, et puis, et je dis à la, sous besoin d'informations, comme qui ça, et ministère
de la justice aux États-Unis a dit ça, procureur a dit ce dossier là, nous pas même gagné une unité au niveau consulat nous dans Miami qui apprend information, qui nous pas même présenté ça au Léon à Philadelphie pour nous expliquer à qui niveau souveraineté nous t'est attaqué et qui situation juridique moun sa yo que a jugé aux États-Unis, qui j'en nous considérer parce que il s'agit d'une attaque contre notre souveraineté, contre notre identité. Donc, ça traduit tout, madame Bonhomme, la perception et une sorte de complicité au plus haut niveau de l'État haïtien et de la société haïtienne. Et d'après ça, nous, souvent, il y a le même gouvernement en Haïti à peu parler de lui-même. C'est comme si pas de jamais un bon président que j'ai assassiné le 7 juillet 2021 en Haïti. Mm-hmm. Et la justice semblait donc à la marquer le pas sur place. C'est comme donc c'est ça, c'est comme on patate chaude. On sous ça dit combien juge cinquième juge. Maintenant, faut nous comprendre ça tout. J'en ai toujours dit la position. Nous d'abord, nous dit que toute option est douée sous table pour la communauté internationale là avec les États-Unis particuliers à effet position. Maintenant, nous toujours disons que crime ça, son complot au plus haut niveau de l'État haïtien, au plus haut niveau du gouvernement haïtien, son complot au plus haut niveau, au niveau des plus hautes sphères de la société haïtienne pour assassiner Jovenel Moïse, ça veut dire qu'il y a de grands intérêts. Les auteurs intellectuels, il y a sur l'émission là, il y a Poisard dans la rue, il y a comme là, mais il y a comme à quoi là, il y a plus à venir, mais c'est pas ça que tu as souhaité. Tu vas pas souhaiter ça au palais du tout. Donc, il y a un système qui est aussi faible. Il y a des juges ou des autorités judiciaires et policières qui ont si peu de moyens, eh bien, et la difficile pour moyen dossier à Jaouta Domarel. On va en poser une autre question. Enquête là pour qu'on finisse. Mais qui ça est le juge la paix de CPJ fait? Qui ça la police a fait? Ouais, aux États-Unis. Il y a des gens qui ont arrêté, il y a des gens qui prennent le tribunal là, le 27 avril parce qu'ils ont défini, ils ont plaidé des coupables, pour nous dire qu'ils ont nos coupables. Mais où est-ce que je cherche le monde? Toujours donc, enquête là, arrêtez. Rappelez pour l'auditoire là, et non, et Mounsayo, c'est des suspects et importants qui ont changé d'avis, et justement, sous. Et Mounsayo qui a soyé? C'est Rudolf Jarre, nous avons Jean-Joël Joseph ensemble avec Palacios, Antonio Palacios. Mais sous le dossier Mounsayo, permettez-moi de porter un éclaircissement. Non, premier temps, là, au fait arrêter, donc, et entrer dans sa rue de plus bargaining, dans un processus de négociation avec la justice américaine. Mais ça qui est à chercher, c'est environ 10 à 15 ans de prison. Mais selon les négociations, il n'y a pas capable de faire moins que 30 ans. Donc, il vient changer les droits. Puis ça fait tout le temps ça pour préparer des sanctions. Parce que pour qui ça? Il a gagné une raison qui est juridiquement fondée et tout ça. Parce que selon l'article 956 code de procédure pénale, il n'y a pas appliqué dans le cadre des procédures aux États-Unis. Yo poursuivre Mounsayo parce que yo dit yo te vin utiliser territoire américain, yo te vin planifier, ça les conspiracy, yo te vin faire complot aux États-Unis pour faire kidnapping ou un assassinat dans un pays, dans leur pays, quel que soit le pays. Or, Joseph et Jean, ensemble avec Palacios, quatre gens étaient aux États-Unis dans une réunion dans CTO qui est faite en janvier 2021. C'était de préférence Vincent, Solage et Sanon, et Akanjel Pretier, alors qui sont tous les Thiago, et qui sont tous les gens qui ont une préparation et l'autre, on n'est pas dans le country. Et sans ne pas oublier, il faut que chercher qui ou que Bob Balthazar a déjoué dans la période ça. Parce que même là, on a fait un coup de fil ou pas dans le bureau, c'est qu'on a une préparation qui est aux États-Unis. Donc, avocat, M. Sayo dit, il y a un problème de nos clubs parce que chaque il y a des fondements d'accusation, hein, les parquets de Pouillot, clients partent aux États-Unis. Eh bien, l'accusation aux États-Unis, ils font un bagage qui est aussi intelligent, ils viennent prendre des mouilles, quitter
aux États-Unis, dans la préparation, non, et d'une exécutée en Haïti. Nous voulons parler de cela. D'ailleurs, l'on a pris dans le rapport FBI, dans la complète que vous déposez devant le tribunal de la Floride, que vous avez le suspect number one. Et bien, c'est Solage. Parce que Solage, il fait un dernier voyage d'environ 3 jours. Et il va l'entrer le 30 juin, 1er de juillet, il vient de retourner en Haïti. Il est venu filmer tes derniers touches pour te préparer à l'assassinat. Donc, Mounsayo, il est aux États-Unis, je dis, il va témoigner contre John Jurel Joseph, il va témoigner contre Jean et puis Palacios. Et il va faire ça avec appétit, parce que faut que pour ton bagage, il va venir en réduction de peine. Et je voulais parler de Vincent, non, de Rivera, parce que Mounsayo, yo risque de faire vieux la prison. C'est une raison qui peut envoyer chercher Mounsayo en Haïti, on a été technique et lié pour l'accusation aux États-Unis. Ok. Et justement, on va poser une question, comment c'est-à-dire la population haïtienne et doit comprendre et le fait que gagner des suspects et clés. Et dans le cadre de, c'est-à-dire qui dans le cadre criminel et puis et soyons aidés pour y aller aux États-Unis ou arrêter à l'étranger et puis et ça qui est en prison yo qui est en prison que la justice américaine m'a dit obtenu et que ben la justice haïtienne et juge d'instruction et principalement autorisé et pour y aller et aux États-Unis, est-ce que Mounsayo... Ne pas considérer les institutions autorisées, nous supposons... Bon, tu as gagné ou dernière information après transfert à 31 janvier, tu as gagné information et il y a un avocat qui t'a dit que ça a gagné quelques jours et un avocat suspect qui t'a dit que ça a gagné quelques temps que les États-Unis t'a souhaité que Mounsayo lui-même y a entré, mais le juge et Walter Wessel Voltaire, les tontigeants hésitants. Nous-mêmes, ça dit qui à qui lunette pour nous Wessayo, qui gens pour analyser, qui gens pour nous et comprendre ça. Et d'abord, commençons par ce qui est choquant. Et, par exemple, moi songe depuis en juin, dans mes cours, m'était annoncé ça. Et l'autre côté encore, que il y a environ 5 mois. Il y a une prend pour aller aux États-Unis ensemble avec eux. Maintenant, ça qui est choquant, c'est que nous n'avons pas eu aucune note, aucune explication de la part du gouvernement haïtien. C'est arrêté, arrêté, 31 janvier, nous tendons, FBI et l'autre monde aux États-Unis a annoncé ça. Et même là, c'était un simple citoyen, aux États-Unis, c'est un simple citoyen haïtien qui t'a fait, et bien le gouvernement nous a donné une explication sur ça, pas besoin de vous. Et c'est un dossier qui est concerné pour ce cas d'assassinat d'un ancien président d'un pays. Donc, et ça paraît nous véritablement choquant, ni avant, ni pendant, ni après. Nous ne connaissons pas qui en ça fait. Certainement, il y a deux morts qui fait à travers le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice qui transmettent au gouvernement haïtien. Maintenant, et c'est la procédure. Mais, deuxième bagarre là, et il faut qu'on ait que Jean Mounabdili et ces États-Unis par rapport à Haïti. Non, Gagné et un ensemble de conventions en matière de crimes transnationaux que nous signons, et même avec les États-Unis, qui établit coopération judiciaire internationale. L'idée qu'il ne va pas dit transfert aujourd'hui là de détenus, l'idée qu'il doit échanger formation et le moment. Ça là, pas qu'on est qui Jean juge Voltaire Bralfel, il est capable de faire même demande à la justice américaine, au juge américain qui se dossier. Par exemple, à Angel Pretel Ortiz Antonio Triago et Walter Ventimiglia, non, il y a une enquête là en Haïti tout. Il est concerné par instruction qu'a faite en Haïti. Donc, par contre, qui Jean juge Bralfel pour le temps de l'autre bagaille qui paraît techniquement. Pour nous essayer d'aborder lui. Par exemple, Sanon, lui-même, si on a jugé en Haïti, il a jugé en Haïti, il n'y a pas de perpétuité si on veut condamner. Alors qu'en Haïti, aux États-Unis, il est capable de faire maximum 20 ans de prison. Maintenant, il y a un ajustement qu'on fait. Mais
ça pour amis auditeurs comprendre, c'est des bagages qui est normal, mais malheureusement ça c'est inquiétude à moi. Bien ça y a un takeover qui a fait dans le ciel. Alors, c'est-à-dire que le système américain a pris contrôle de l'Ouest en Haïti, tout petit gars. Et c'est parce que il y a une piste, par contre, qui est ce système qui peut aller explorer, il y a des voix qui disent, même dans une certaine presse aux États-Unis, que Jovenel Moïse était assassiné à cause d'intérêts géopolitiques. Et, par exemple, avant qu'il t'a fait vers la Turquie, là aussi, à travers la Turquie, il était retourné des rapports avec Venezuela. Et donc, il était pris ensemble de décisions de janvier 2021 à juin 2021 en ce qui concerne les relations diplomatiques avec la Russie. Donc, il y a des gens qui pensaient que la direction, ça, où Jovenel Moïse était prêt, était capable de faire les services secrets et américains, était fermé les yeux sous plein assassinat. Donc, son piste à explorer, et si tu as une vérité, si tu as une parole comme ça qui vient parler dans l'enquête aux États-Unis, ça prendrait l'administration américaine Biden, non? Ça prendrait le gouvernement américain, même l'État américain, en difficulté, très mal à l'aise par rapport à l'autre allié qui a gagné à travers le monde. Donc, ça, il t'entend tout expliquer l'intérêt qui a gagné pour y avoir sous ces dossiers. Puis on fait un dossier en Haïti pour que son seule vérité de sortie, une vérité paio, qui dépend de l'intérêt paio, de ce que ça soit. Orienter en quatre ans en quelque sorte. Très bien, c'est ça qu'on propose dans les jours qui viennent. Et l'autre, pour encore, il y a venu chercher la prison, quand au prince, et des mondes dehors, tout pour m'en penser. Okay. Et maintenant, ça qui est important dans la direction que nous apprenons, c'est ça qui est commencé. Et de la presse américaine, cette campagne de diversion, d'abord de la presse colombienne avec le Dicas Carapol qui dit que c'est ancien premier ministre qui s'appelle étranger, que Joseph qui était responsable criminel. Et nous restons à retourner encore de la presse colombienne avec frère Herman Riviera. Et gagné New York Times qui était véritablement question. Pour campagne, qui n'a pas gagné pour jouer avec Arcangel Pretel-Ortiz, qui n'a pas gagné pour jouer avec Antonio Antigago, ou bien Walter Bentelia, ou bien piste qui menait à des anciens, des actuels, et fonctionnaires, ou bien informants, c'est-à-dire informateurs américains. Donc, cette campagne, cette direction, certainement, nous sommes montés et au créneau contre lui, et lui, et ça fait café. Mais ça n'a pas dit que, ça n'a pas dit que, la direction qui est prise aux États-Unis, c'est la direction de la vérité véritablement vraie. Qui est ce monde, c'était Bailot, qui est ce qui est fixé, et c'est là que nous gagnons des réserves. Mais Jacques Le Dossier a traîné en Haïti, tout nous le prend. Il se peut que c'est vérité des États-Unis, en Belémine, qui passait, absolument. Alors, et, Pardon? Et la justice a dit qu'il y a un mot d'attente. Et il y a plein de choses qui ont décidé l'autre bord. Et puis tout le monde a dit que ça. Mais il faut comprendre aussi techniquement que il y a un même rapport d'enquête. Et ça, qui est sorti en août, qui était écrit pour être préparé par FBI et la DCPJ. Donc c'est dans la direction ça. Que tout le monde de justice pour aller, mais capable de gagner, il a dit, des imprévus. Et par contre, qui est capable de sortir dans des déclarations, destruction en Haïti, et ils veulent éviter ça à tout prix. Ok. Donc, ils veulent là, c'est les Américains ou bien autorités autorités américaines, ils ont une responsabilité morale dans ça. Voilà. C'est-à-dire, bon. J'en ai été dit là, et il y a des gens qui travaillent pour eux. Dans le moment criminel, je ne pas dire que c'est pas l'autre, mais qui est venu, qui prépare, qui exécute le criminel. Et nous disons que Antonio Antriago dit, c'est la vocale, l'heure est venu ici quelques jours avant le criminel, et bien il était allé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Le contre d'Alfred et Saldati. Donc, l'heure était entré dans la coquille à Jovenel, avec l'uniforme dit, et aussi son opération dit, on sait qu'il y a une responsabilité morale pour ne pas avoir que l'on lié ni de près. De loin à voilà. Et je veux dire, combien
c'est-à-dire monde qui étranger haïtien et qui suspecté d'un crime non et qui non prison et en Haïti. Donc considérer monde que yo transféré déjà. Seulement Jean Laguerre civil qui a une nationalité américaine tout qui la prison ici. Maintenant le procureur a dit que yo prend l'autre action, yo prend venir à l'autre charge. Ça pas veut dire seulement moun qui dans prison. Il y a des moun qui n'ont rapport dans cette là qui devant la justice haïtienne et la justice américaine qui est dans prison. Mais il y a l'autre monde encore qui t'a fait des transactions, qui t'a participé à des réunions, qui était au courant de complot avec le complot, et qui met pas tant de nous, par des surprises. Voilà. Et ça dit, dans quel secteur comme ça? Dans tous les secteurs. Parce que l'éclair, depuis 7 février 2021, les noms, ouais, le tableau, et ça s'est fait dans le ouais, par exemple, les trois pouvoirs qui sont impliqués, pour arriver à 7 juillet, ouais, les trois pouvoirs impliqués, ouais, tout faire de la société haïtienne, il y a des gens qui la donnent. Et écoutez, là, Rudolf Jardil va être 32 000 dollars pour faire opération là. Donc, c'est pas là que tu te poches. Et tu as gagné une grosse campagne, tu as gagné une grosse fondraising qui t'a fait. Par contre, tu as gagné 1 dollar, tu as 10 dollars, tu as 10 000 dollars pour te venir vers ce Jovenel Moïse. Et donc, pour te venir à assassiner. Le résultat, c'est ça le pays, c'est ça lié. Donc, c'est des gens qui viennent là dans la prison, qui viennent dehors, qui viennent par le pays. Et maintenant, on ne peut pas oublier que nous avons en partie dans le rapport là, qui disparaît, qui trouve l'autre Léon Charles, qui a un rapport avec financement criminel. Par exemple, au monde où est Léon Charles, il fait partie intégrante de l'enquête. Donc, Léon Charles, que juge Walter Wessel Voltaire, attendait à plusieurs reprises. Et ça n'a pas gagné longtemps l'âme, quoi, dans l'espace de quelques jours, et y a tant d'élus. Donc, où faire le point, expliquer, c'est-à-dire qui bon dossier, qui bon sorti, qui j'en ai avancé sous lit, qui a avancé sur la donne, et les États-Unis, et qui ça qui fait et en Haïti, on ne dit pas la justice haïtienne, mais le cas est juste, et de comprendre position et famille Jovenel et Moïse. On a parlé de Martine Moïse, ancienne première dame, veuve Jovenel Moïse, c'est que avocat Lio, c'est début décembre, il a demandé pour que le juge là, le juge Walter, il déporte, il dessaisit de dossiers. Nous parler de questions, voilà, ça qu'a fait sur le plan judiciaire. Mais, on garde tout, son président de la République, qui a gagné un pile et ennemi. Mais, et les autorités haïtiennes, ne sont pas tellement intéressées, c'est-à-dire, et nous garder ça qu'a fait, là, et garder l'attitude des premiers ministres qui pointaient du doigt par. Puis le monde, mais nous comprenons tout. Le fait que, cité dans le dossier, gagner des monde qui extrêmement important et pour participation et dans le crime, ça, que non cité, que il est à l'ouest premier ministre, il parle avec l'après, premier ministre, tout, déclaration de fait, lui. Un peu, ça dit, un peu confuse, mais... Ambigu. Bon, il a dit, parce que confusion, c'est est-ce que... Et oui, d'accord, avant, mais il m'a dit, oui, il a dit confusion, parce que il fait déclaration, il retourne sous lit. Est-ce qu'elle te connaît? Madame Bono, le problème qui est avec le premier ministre Ariel Henry, c'est que n'importe qui lui a dit, n'importe qui, par exemple, m'a dit... Tout ça que vous reconnaissez ça très bien. Bon, les Finnois, peut-être que dans la période là, avant ou après que nous avons choisi, je vais même de plusieurs temps, je vais parler avec lui. Donc, on a dit, maintenant, pour le moment, c'est
sans bureau communication pour le ministre de aborder des questions, non, notre tu t'es fait sortir. Et pour parler en pile français pour ne pas dire rien, mais pour mettre pour le ministre dans une situation difficile. Et là, il dit par exemple, tout ça, pour le ministre de tellement pour se voir appel, et par contre, qui est-ce que tu es là, qui est-ce que tu parles de lui. Ça, son bagage qui est extrêmement grave. Mm-hmm. Si on monde qui est bien, parce que le premier ministre, au moins, il était honnête, là, il te dit dans ce coup, dès qu'on. Bah, Dieu très bien, certainement, il était même essayé de descendre. Là, c'est pas ça le problème, non, mais c'est où est la volonté de la part de Bureau Communication au ministre à l'époque pour te cacher au bagage. Est-ce que c'est père ou père, est-ce que c'est gêné ou gêné? Donc, le problème n'a pas bien résolu au niveau de communication. Qui ça gagne au monter l'eau et il te prend l'ouvert l'eau, il te parle des bagages avec vous parce qu'il y a aussi il y a les appels, mais le contenu des appels n'est pas gagné. Et donc, c'est un peu ça avec le Premier ministre. Maintenant, on parle de la situation Madame Martine Moïse, avocat, et pour question déport, là, nous connaissons très bien que le déport, c'est un acte volontaire. Le juge qui doit choisir de déporter, le juge doit choisir pas déporter. Le moment du juge pour le déporter, il n'est pas tenu. Si on veut que le juge n'a pas fait dossier encore, pas continuer à instruire ce dossier, c'est faut qu'on demande le renvoi d'une juridiction d'instruction à l'autre juridiction d'instruction, à l'autre juge d'instruction. Et donc, c'est voir ça pour le droit. Et maintenant, ces droits que vous avez, il y a des suspicions légitimes et ce juge-là, c'est toute raison que la loi va y avoir. Il est capable de faire demander ça, mais la demande de déport n'est pas un élément qui peut forcer le juge à retirer le collant. En garde et argument, c'est que l'avocat Martin Moïse estimait que le ben, juge-là n'a pas gagné sérénité assez pour être capable de traiter le dossier ça. Et je cite M. Paul Denis, ancien ministre de la Justice, et qui, et, parce que c'est lui-même qui était nommé et juge, fait venir et dans le système-là, et nous connaissons Paul Denis tout, en tout cas, ce qui se dit, mais ma ligne extrait devant moi là. Parler de Texas, Paul Denis, qui était nommé dans ce système-là, eh bien, puisque lui-même tout, le parti politique initial est impliqué dans le dossier, parce que, ou même, peut-être ça, ou pas bien, comme juge, il n'y a pas de sérénité suffisante pour lui mener à bien instruction et dossier assassinat Jovenel Moïse. Est-ce alors, que ça, l'Ikembe, n'a pas l'avocat là? Est-ce qu'il ne faut pas confondre dans le cas ça suspicion légitime et sûreté publique. En cette matière, vous êtes capable de faire une demande en renvoi en ce qui concerne le juge d'instruction pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Ça veut dire que ça. Par exemple, si le juge n'a pas de sérénité assez pour les décider, on a dit dans une zone. Dans la juridiction côté juge là et là et capable de troubles ou bien environnement politique social là empêcher que juge là ait une sérénité pour le décider ou qu'il doit demander pour tout ça a sorti de la juridiction ça pour la longue juridiction. Oh sérénité là c'est pas ça j'avais dit même moi on mettait des bagages plus rapport avec suspicion légitime là yo attaquer l'impartialité du juge en tant que tel. Et donc, c'est une demande, même pas prendre pas des textes là et puis ne pas voulez entrer dans stratégie aucun confrère, mais son demande pour un élément ça a eu, pas qu'à devoir qu'un B. Mais de toute façon, il n'est pas capable de faire objet d'une demande de déport parce que nous connaissons que c'est juge là qui a choisi de déporter. Et s'il y a besoin que le juge là pas instruit aussi encore, Yukon, qui ça pour nous faire, c'est pour nous faire, nous demandons un dessaisissement, bien en renvoi. Voilà. Et ça c'est avocat et de la veuve de Jovenel Moïse. Et il y a une organisation, c'est CARD, et les mêmes qui rappelaient, un rapport, qui soulignait que
mandat juge là, eh bien, les river à terme et nous ouais doyen, c'est-à-dire doyen de l'époque, il était évoqué ça pour un juge déjà. Est-ce que, je me pose une question, Franco, est-ce que Josia juge ça, il est capable de continuer à travailler sous dossier, à instruire dossier? Et alors, c'est ça qui fait nous paraître l'aide. Et dans approche nous ben application de la loi au niveau de la justice, effectivement le décanat tribunal pour instance et pour représentant le doyen lui était retiré dossier ça dans le juge Gary Aurélien sous prétexte que il était gagné 2 mois pour le réunion première ordonnance d'adi provisoire ou dans le premier rapport sur le dossier pour femmes qui a suivi monsieur, vous comprenez bien, et puis pour faire une ordonnance de clôture dans 90 jours. Selon ça, la loi dit. Mm-hmm. Il n'y a pas de fait. Mais nous, juge Voltaire, qui est environ 7 à 8 mois là, en dossier, il ne faut pas mm-hmm. faire rien. Maintenant, c'est monnaie courante dans le système. Là. Il y a des dossiers depuis 2-3 ans qui pas arrivé et dans l'ordonnance. Et des fois, par exemple, tant de pièces, mon oublié pas tant de monde qui était à couper dans la prison, et dans le dossier, ça en particulier, Colombien, c'est par exemple, même Zébaël, et moi, seulement à regarder, ça vous fait comme citoyen, mais doit y avoir violé tout, parce que, yo gagné 1 an, 7 mois en prison, yo pas dit, yo pour qui ça en prison, et yo pour qu'on ait moyen véritablement pour défendre tête, yo, parce que faut que le dossier a sorti dans le cabinet d'instruction. Alors, ça que nous devons comprendre. Crime ça en particulier, pas d'aucun juge n'est capable de faire une instruction puis les instructions dans 2 à 3 mois. Parce que ce bagage qui était déjà concoté, il est venu l'imprimer, les sortir, il a fait dans 24 heures même. Maintenant, ça pour nous comprendre, pour nous expliquer bien ça, ma pire. Lorsque nous avons dû adopter ce code d'instruction criminelle, ou bien tout arsenal, pénal, à partir de 1835, par exemple. Mais le législateur haïtien a prévoi un crime comme ça, société, parce que les modes crimes, les types crimes, ils dépendent de l'évolution société, annonçant ce nom-là. Donc, c'est peut-être des procès qui ont eu 2-3 mounes, et qui ont tout élément ça, par exemple, tout le dossier qui a rapport avec son acte terroriste. Et donc, et convention de sur le terrorisme, et gain droit pénal international, droit international pénal, gain blanchiment d'argent, gain corruption, gain l'autre infraction que nous pouvons s'habituer avec dans le code pénal là. Donc, ça demande un peu d'expertise. Ils ne demandent pas quel temps. Donc, juge là, quel que soit le juge là, parce que je suis capable de faire véritablement dans le délai là. Mais si doyen en époque et appliquer la loi comme ça pour le juge Gary Aurélien, soldat appliqué le tout pour juge Walter ou c'est Walter. Donc, c'est ça que ça nous paraît très net. Et ne pas plier dans le même dossier, ça. Peut-être pas au juge, juge Bélab, qui n'est ni un ami, ni un ennemi. Et il n'y a pas un dossier là. Vous avez vu, madame Bono. Bien, demain, un cadre de ce ça en Haïti, vous voulez mener dans la direction. Il y a des gens qui t'a souhaité un juge, un type de traitement. Et je te dis, dès le début, et nous comprenons, il y a un dossier comme ça qui implique les plus hautes sphères de l'État, du gouvernement haïtien et de la société haïtienne. C'est normal que il y ait de gros intérêts. Il y a des gens qui t'aiment un dossier à traiter, aller dans telle ou telle direction. Sans oublier qu'il y a des mains, aussi il y a des forces de la communauté internationale. Parce que dans mon esprit, il y a deux communautés internationales. Et cette communauté internationale légale, légitime, pas qu'on est. Mais il y a les forces criminelles de la communauté internationale parce que les gens qui ont trafic d'armes, trafic de drogue, les gens qui ont un crime transnational, ça, ils font partie aussi de la communauté internationale parce que la communauté internationale n'est pas un concept juridique, c'est une donnée sociologique. C'est un fait qui devant nous n'a pas observé. Mm-hmm. Pour juge Gary et Aurélien, on a rappelé tout rapport RNDDH et c'est ça qui dit, monsieur, et l'État prend, et ben, pot de vin,
et la main et le monde qui était concerné par dossier de nom même te cité Kakou directeur de Jean-Charles Pandemi oui d'avoir tout ça et maintenant il y a de 6 ou 10 90 jours pour garer au lien faut dire pour tout l'autre on a parlé de gens qui ont appliqué la loi OK non oui mais c'est parce que c'est prétexte ça. Et il était prêt même jour que pour juge Gary Aurélien, et la décision vient prendre, c'est une question pour devenir. Et rapport à l'été sorti, et puis tu as parlé ça et, au niveau de la presse. Là, on garde ce prétexte, ça. C'est-à-dire au niveau et doyen à l'époque. De l'application de la loi, on n'est pas capable de parler de prétexte. Là, on nous dit que ça que. Jusqu'à présent, il faut que la lumière fasse tout ça pour le magistrat Aurélien, qui sont jeunes garçons qui sont dans le système. Moi-même, j'ai même information, j'ai des gens qui viennent nous. Et surtout, c'est un greffier qui était avec le juge Gary Aurélien. Et puis, monsieur Gale, il a fait un mandat même. Il prend un mandat, il vient tout inviter, il a un mandat d'amener, il veut qu'il gère ça pour vous. Mais comment un greffier qui fait. Non. Cabinet, un juge d'instruction, pour que tout pouvoir ça pour le juge à pas ta connaître, il n'a pas aucune décision contre lui. Et Gary Aurélien a rapporté que il était demandé de Kana pour retirer le fils à l'Iba, jamais le tirer. Et il s'est même dit avec des proches que c'est parce qu'il voulait aller vers de gros poissons qui fait, fait une combine ça autour de lui-même. Donc c'est des bagages qu'il faut clarifier parce que ça fait nous l'aide en pile. Et aux yeux du monde, parce que on doit se concentrer à la cache aux États-Unis, malgré toutes les réserves que je vais exprimer là. Mais il y a un dossier qui mettait en jeu l'image, pas seulement de la justice, mais l'image du pays, et puis pour la traiter comme ça. Et je pense que ça va être clarifié. Et le rapport NDDH ou des décisions que CSPJ prend pour passer ce petit juge-là, il faut qu'il y ait plus loin pour nous connaître la vérité sur ça. Ok. C'était le dernier point. Il parlait de un personnage et important. Et c'est Joseph Félix Badiou qui est présenté comme un principal auteur intellectuel et assassinat président et Jovenel Moïse pendant plusieurs mois. On n'entendait pas de lui du tout. Pardon? Ou Poco. Non, le Poco, ça c'est lui, mais lui-même. Et oui, non, mais monsieur font sortir là à côté, il dit à propos très menaçant, par exemple, envers directeur exécutif et NDDHA, Pierre Espérance, et il lançait des flèches tout compté et des journalistes, il parlait de relations en quelque sorte avec. Et premier ministre, quoi, il parlait à deux reprises. C'est que première fois, ça t'est fait et en pile bruit. Et nous songeons que sa pire expérience, c'est-à-dire, c'est que monsieur, les jeunes backup, support et au chef gang au niveau et de tabac. Donc. Écoutez, sur le dossier Badjo, moi-même, ça m'était souhaité, et ça m'était souhaité. Pour Badiou, et c'est pour lui chercher le meilleur côté pour le défendre tête liée devant le juge. Et il y a une possibilité pour le faire en Haïti ou aux États-Unis. Il m'a souhaité le faire en Haïti. Et deuxième bagarre là, non, et voice à parler, hein, ça m'attend, c'est qui voit effectivement que le joué dans tout ça, au dit sur les rassures, au brésil, au avril, et il m'a donné aucun élément de réponse pour ça. Et ça semble avec tout Colombien qui est en prison, tout le monde qui est en prison, qui, j'aime parler, il est dans la côté, il n'y a pas tout courant, c'est comme si Jovenel Moïse il devait être. Donc, moi-même, tu as souhaité pour que Badiou ait en vie, pour lui véritablement arriver, écouter, pour lui arriver à pour le parler, parce que j'aime dire que tu as souhaité qu'il parle en vie, il a fait référence à avoir ça, et ça veut dire que. Le plus gênant que l'a fini, c'est plus intérêt qu'il a gagné pour assassiner le tout. Mais c'est un bagage qui est logique.
Mm-hmm. Et donc, nous avons souhaité que chercher tout moyen et pour lui aller côté d'où il aller et pour être capable de défendre. Mais en tout cas, il dit que ben, déposer des dossiers justement qui concernaient et qui au niveau de l'ambassade et américaine et Port-au-Prince. Donc là la justice il n'y a pas de documents comme dans mon nom, il y a tant. Mm-hmm. C'est pour que j'ai des documents, donc le Badjo qui fait droit, nous qui mm-hmm. fait criminologie, ouais, bon, etc. L'icône qui ça pour le faire, et pour le capable de faire autant d'île, côté il doit être en île là. Mm-hmm. Bien que lui dit qu'il n'y a pas de rapport avec le jeune haïtien, bon, il va avoir un cadavre qui arrive à eux. Maintenant, moi-même, je n'ai pas perçu de cadavre à l'île aux pièces, tout le monde a mis en île devant le tribunal. Ici, tout l'autre bord de l'eau, côté de l'eau, c'est à fait, parce que non li en temps, investigation FBI, là, c'est avec des CPJA, donc ici, et gens où ils considèrent l'en Haïti, ils considèrent considéré le tout aux États-Unis comme ils ont prime suspect, c'est-à-dire, ils ont suspect qui est vraiment important. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Maître Newton et Saint-Just, toujours disponible. Ouais. Rendez-vous à très bientôt. À très bientôt, donc merci. Et permettez-moi, fini comme ça, pour me dire que nous-mêmes, ça qui est important pour nous, non, que ce soit, c'est la vérité. Et me songer que Émile Zola, c'est un bagage similaire, même similaire, pas même type de crime, mais qui t'a bataille pour la vérité judiciaire triomphée. Et puis, il te dit que je suis persuadé que la vérité saura sortir d'elle-même de ces ombres, de ces ombres monstrueuses, atroces. Et ces convictions, ça que nous n'y que la vérité, on l'a sorti. Mais vous savez que comme toute grande œuvre humaine, elle prend du temps. Donc, cette vérité prendra du temps. Mais il faut la suivre, poursuivre, la pourchasser avec toute que nous, avec toute force nous. J'ai l'apprécié Eiffel et une fois de plus, n'a rappelé que bon, le citoyen qui est tellement important, qui est le Bob Balthazar, qui a pile bagaille pour voir comme ça, il était un gros fonctionnaire dans le département d'État. Il travaille pendant plus de 20 ans dans l'administration américaine. Non? Eh bien, il n'est pas en Haïti. C'est tellement, il est d'origine haïtienne. Et bien, il faut que la justice haïtienne ou la justice américaine les pipes de l'autre bord, tant qu'il, même Jean avec Arcangel Cristelantis, Antonio Antriago et Walter Ventimiglia. Merci bien, madame. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous t'attendez, Maître Newton Saint-Just. Donc, jusqu'à présent, il y a un pile chimée qui pour faire dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc, à voir ici, n'a prêté jam, n'a prêté en vie, n'a prêté en santé, n'a prêté sous tes pieds nous, jusqu'à ce que nous connaissions qui s'est passé. Et faut que y ait un exemple qui trace dans le pays d'Haïti, pour moun pas sot kote ou soti jan ou vle pou yo vin touye président la kayen. Ça pas supposé fait et ça son honte, nous pas ka pran honte ça deux fois peu haïtien. Donc, moi vous merci parce qu'on t'a suivi avec attention, merci pour fidélité ou patience. Moi vous aller m'a quitter ou nan bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Foucault et n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous, one love.